Le Bélarus a envoyé des troupes supplémentaires pour renforcer sa frontière avec l'Ukraine après avoir déclaré que plusieurs drones ukrainiens avaient traversé son espace aérien et été interceptés par les défenses aériennes du pays vendredi. La chaîne de télévision publique Bélarus 1 a montré des images de ce qu'elle a déclaré être des fragments de drones abattus. Elle a également indiqué que les débris contenaient des pièces fabriquées par des pays de l'OTAN. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'Ukraine et a émis une vive protestation. Le ministère a également reproché à l'Ukraine ce qu'il a appelé des actions criminelles visant à aggraver radicalement la situation dans la région. L'Ukraine n'a pas commenté publiquement ces accusations.